le tacos le moins cher possible à la maison. Allez, je te fais ça aujourd'hui, c'est parti! Première étape, dans un récipient, tu vas mettre un sachet de pommes de terre spécial micro-ondes. Après quelques temps, au micro-ondes, tes pommes de terre sont cuites. Tu vas pouvoir les sortir et les couper en forme de frites. Ensuite, une fois que t'as tout bien coupé, tu vas venir les tremper directement dans la farine. Normalement, t'en as forcément chez toi, du coup, je le compte pas forcément dans les ingrédients. Bref, ensuite, ça part au four pendant quelques temps. Ensuite, pour la viande, je vais prendre du filet de dinde. À l'unité, ça m'a coûté moins de 2€. Ça sera bien meilleur que des nuggets ou des cordons bleus. Et en plus, c'est beaucoup moins cher. Du coup, on fait revenir tout ça à la poêle avec un peu d'ail et les épices que t'as à la maison. Une fois que tous tes petits morceaux sont bien cuits, tu vas pouvoir les laisser de côté. Maintenant, on passe à un élément essentiel du tacos, la sauce fromagère. Pour ça, je vais utiliser une brique de crème liquide avec quelques tostinettes d'emmental. Tu poivres bien tout ça et une fois que tout a bien fondu, tu obtiens une sauce fromagère pour moins de 2€. Normalement, à ce moment-là, tes frites sont prêtes, tu vas pouvoir les sortir du four. Bon, je te l'accorde, c'est pas les plus belles frites du monde, mais au niveau du tarif, c'est ce qu'il y a de moins cher. Pour la suite, sur une grande tortilla, tu vas étaler les sauces de ton choix que t'as déjà dans ton frigo. Ensuite, tu vas déposer ta viande avec deux bonnes poignées de frites et ta sauce fromagère par-dessus. Maintenant, on passe à l'étape du pliage, rien de plus simple, tu replies tout ça pour former un rectangle. Il te reste plus qu'à faire revenir ton tacos à la poêle. Et si je te montrais comment faire